Allez, on est parti pour lancer des Resident Evil. Revelation 2. Oh, mode survie. Et je vais galérer ma mère. Le bioterrorisme. Le monde vit avec. Vous vivez avec. Des virus sont dérobés, réencodés, utilisés abusivement avec des résultats tragiques. Et à qui êtes-vous censé faire confiance? Aux politiciens qui vendent leur âme pour quelques votes? Aux grands patrons qui trahissent les consommateurs pour du fric facile? Comptez plutôt sur nous. Nous sommes au-dessus des politiques, toujours à surveiller, toujours prêts à faire face à la menace imminente. Nous sommes le rouleau compresseur qui écrase le spectre du bioterrorisme et de la guerre chimique. Ils nous appellent Terra Save. Parce que Terre ne rime pas toujours. Avec terroriste. Salut les gars. Redfield. Ah, salut Claire. Hey, Claire. Moira. Bienvenue au club. À vos ordres, mademoiselle Redfield. Je dois saluer comment? Laisse tomber, on est amis depuis quand? Assez longtemps pour que je te fasse marcher. Claire, tu pourrais... Je t'écoute, Neil. Il se passe des choses à Washington. T'es au courant? Quoi? Le nouveau virus? Arrête. Tu sais que Tricell, c'est fini. Hein? Allô? Hé, hey, c'est la fille de Barry Burton? Oui, Moira a commencé aujourd'hui. Mais sois prudent si tu dois mentionner... Mon père? Oh oui, champ de mine émotionnel. Je vois. T'as fait tes devoirs. T'as beaucoup d'autres atteintes à la vie privée là-dedans. Hé, hey, je dois prendre soin de Terra Save. On a des ennemis. En tout cas, bonne chance pour l'adresser. C'est pas un cheval. Salut. Oh oh, il a fait quoi cette fois? Enfoiré de Barry! Chaque fois que je lui demande quelque chose, il me rembarre! Je serais même pas là si j'avais écouté...
C'est ouvert. Je n'ai rien fait. Ça fait bizarre d'entendre l'autre VF de Claire. Parce que je crois qu'ils ont pas. Ou alors. Parce que c'est vrai que je reboot le jeu. Je l'avais commencé vite fait sur One. Je l'avais fait à fond. Sur. Sur la 3.6. Hein, à l'époque où j'avais pas encore la One. Du coup, je l'avais pris sur 3.6. Là, les épisodes, il fallait attendre une semaine. Je vais pas courir tout de suite. Ah, quand même. C'est Moira. Oh mon Dieu, Claire. Ça va aller. Je vais nous sortir de là. Moira, tu es blessée? Ils t'ont fait mal? Claire, je me souviens que... D'accord, oui, du Claire. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Laisse-moi... Oh, Claire, je veux rentrer à la maison. Ça va aller. On va sortir de là. Je comprends rien. Pourquoi nous? Si je savais... Ah, c'était une époque où on avait eu Resident Evil 6 et ils disaient putain c'est de la merde, et là t'as Révélation 2 qui remonte un peu la pente. Coucou toi. Entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ça pourrait nous servir. Je m'occupe de l'éclairage. Ah putain. C'est vrai. Ah, Resident Evil, où tu peux te défendre non-stop au couteau. Pas un couteau qui casse comme dans Resident Evil 2, ça me pétait les couilles, ça. Oh, putain de bordel. Alors, règlement de survivance et cobayes. Seuls et ceux qui participent aux expériences doivent respecter les règles suivantes. Les sujets doivent être surveillés 24h/24, sujets, surveiller les capteurs pour détecter tout changement des consignes et son statut toutes les 10 minutes, éliminer immédiatement tout sujet présent des signes. La normalité. Merde, on a du mun. Ah oui, c'est vrai, on a un inventaire comme ça. Passer là-dessous. Aide-moi, Moira. Go! Ok. Attention, recule un peu. À l'ancienne, on poussait des meubles. Oh. Ah putain, oui. Cet enculé qui me fait niquer des points de vie. Au pire, tu tournes le meuble, hein, au lieu de pousser. Je veux dire, penser ça. J'avais jamais songé à ça.
C'est une meuf qui s'est fait violer. Ah oui. Ah oui. C'est une de mes persos sur le mode commando. Parce que, en fait, elle a un skin de Lady Hulk. Bon, pas le choix. De claquer. Oh putain, tu mets un temps fou pour te soigner, c'est vrai. En vrai, en plus, j'y pense, Claire qui travaille dans les labos et tous les conneries, enfin, en tant que scientifique, entre guillemets. Alors, puis grave, travailler avec Rebecca. Ok, et là, je te lâche. Et ça, c'est bâtard. J'ai oublié ça, le merde c'est con, c'est subtil. Oh putain, mais c'est vrai que ça va être chaud, j'ai oublié ça. Ah, ça on prend. Ça aussi. Bon, on y est. La clé doit être par là. Et on a vu un emblème en fait. Clé a disparu. Tu comptes utiliser ça? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Si tu le dis. La clé a dû se détacher quand le corps est tombé. Elle peut être n'importe où. Il fait trop sombre. Éclaire par ici. Claire, je vois la clé. Impossible de la prendre. Je vais essayer de tirer dessus. Le tuto pour tirer. C'est résistant, ces connards. Alors attends. Je suis là parce que je sais qu'il y a ça. Oh merde.
J'avais oublié qu'il y avait autant d'ennemis. Putain, je crois que c'est pas le moment de faire les collectibles en mode survie, surtout que je me rappelle que de celui-là presque. Oh putain, il tombe pas en plus. Bon, et moi, tu te dépêches ? Maïra, si tu me dis... C'est bon. Oh bah, t'es sérieuse ? Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je vais crever, mais ça va aller. Oh putain, c'est vrai, j'avais des esquives. Y'a rien d'autre. Oh bâtard. Ça aurait été bien d'être à deux. T'en as un qui éclaire pour éblouir et l'autre... Deux balles dans le chargeur. Non, pas besoin, désolé. Les armes à feu, c'est pas mon truc. Pas après. Merde, j'avais oublié. Désolé. On va te trouver autre chose. Ça va aller. Je vais me charger de l'éclairage. T'inquiète. Qui brille par là, mais je sais pas ce que c'est. Je vais utiliser la lampe. Cool. Un truc pour taper. Ça me va très bien. Et un truc pour taper. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, déjà. Tiens, et... Tiens. C'est moi qui ai vu un truc briller. Non. Bon, on va surtout se déplacer avec Maïra parce que c'est elle qui peut trouver les objets cachés, donc des mines en plus, des herbes en plus, tout en plus. J'ai vu quelque chose. T'es mine. Ok. Tiens.
esprit de poème. Vous avez peur? Vous pouvez me le dire. Parlez-moi. De quoi vous parlez? Qui êtes-vous exactement? Tellement de souffrance. Vous ne connaissez pas la véritable peur. Elle nous parle ou elle parle toute seule? Ah, je me disais bien qu'il y avait un truc en l'air. Des points à part, t'es... Pas de porte ouverte en haut. C'est bien, au moins elle se pousse. Conformément aux instructions du directeur, j'ai placé le buste de lance-flammes en face de la sortie. Les flammes qui soufflent sont vraiment impressionnantes. Mais même si plusieurs des expériences tentaient à passer en force, elles seraient toutes grillées sur le champ défense de passer. Tant pis pour ceux qui essaient de s'échapper. Ces petits lance-flammes-là. Belle connerie à pas activer, faut pas activer. On a la carte. Et donc là, on a une petite zone à visiter. Alors, c'est pas entièrement dans la ligne droite, mais c'est bien. Ah oui, non, mais je l'ai vu ça. Par terre. Rien par terre. Le voyageur a demandé, il ne connaît pas sa sentence. L'officier lui répondit, lui donner cette information serait inutile, son propre corps en fait l'expérience. Ok. Théopie. Ah, oh, ça a l'air confortable. Je t'en commanderai un si tu veux. Regarde cette machine. Il y a un truc de bloqué. J'avais pas un emblème. Dégâts niveau 1. Il n'y a pas à chier, je vais utiliser souvent le pistolet, donc on va le mettre sur le flingue. Moira, je vais te faire la courte échelle. Vois si tu peux monter. D'accord. Ok. Ok, c'est bon. Caisse de munitions. Qu'on a direct sur nous, je pense, ouais. Attends, j'ai pas fait gaffe, y'a rien qui brille.
Mais ouf, tu peux pas passer, alors que... Ils sont tellement méga chiants que tu peux passer. Claire, par ici. Une fois dehors, on trouvera peut-être quelqu'un qui nous aidera. On est passé derrière. Je veux seulement sortir d'ici. Ne nous emballons pas trop vite. Comment je l'ai calmé? Tant que c'est Moira qui prend les coups, c'est pas très grave. Ça, je me rappelle celui-là. Des mines de pompe. Ça, je suis bien armé pour un mode survie. Et c'est toujours quand je dis ça que je vais claquer toutes mes balles, évidemment. Alors, l'air d'un prisonnier écrit en russe, charmant. J'ignore si tu liras ceci un jour, mais j'ai besoin de toi, ils nous appellent les expériences, une torture tous les jours, tous les jours. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi cela arrive-t-il? C'est si douloureux tous les jours, je vis dans la peur du lendemain, maman, je t'en prie, aide-moi, s'il te plaît. Putain, ouais, faut peut-être que je reste. Mais ta mère! Voilà! On va peut-être éviter de faire les cons maintenant. Eh, souffle un peu, vas-y. Claque ton herbe. Non, c'est pas par là qu'il faut passer tout de suite. Mal à crever dans ce jeu. Et après on parlait des zombies dans cette ville de putain. Avertissement au sujet de la manipulation des expériences. Les capteurs sont dont les expériences sont équipées mesureront l'adrénaline et le niveau de norépinéphrine afin de calculer la peur ressentie par le sujet. La couleur variant en conséquence. Vert normal, orange anxiété, rouge clignotant, peur, rouge, mutation. Si les capteurs du sujet devient rouge, il est déjà en phase de mutation, tirez-le dessus immédiatement.
Bombe artisanale. Peut-être que Moira va garder bombe artisanale, je sais pas. J'avais pas... Ah, si, il est là. C'est quoi ? Histoire de procès de Kafka. L'homme a exprimé son souhait de franchir les portes. Le gardien a répondu, si vous voulez vraiment passer, enfreignez les règles et allez-y, mais sachez ceci. Je suis un modeste gardien. Ceux qui vous attendent derrière ces portes vous feront trembler de peur. Yeah. Bye. Ta mère. Putain, j'ai un doute à choper là-dedans. Bon, par contre là, de mémoire, il y a des gros trucs. Voilà. Faut que je pense à esquive. Et là, on revient de l'autre côté en bas. Des petites lumières, enfin des objets cachés. Et là, ça a l'air calme. Je me disais bien, merde, putain, pas un truc qui brille. C'est jamais, hein, on les tue. Niveau pompe, je suis très bien. Pistolet, je suis correct. Quand comparé à Weefin, je suis surarmé. Commence pas à te faire embêter par des moucherons, hein. Tiens, au passage. Thank you.
Et comme par hasard avec elle, on tue facilement. C'était pas compliqué. Ah, j'aime dire, c'est quoi ce truc, mais... Ah, c'est... Bon sang, ça va ? Ouais, j'ai failli finir comme une crêpe. Barry raconte cette histoire à tout le monde ? Ouais, le gilet sandwich. On a le courant. Ça devrait aider. S'il me surprend, je fais... Boum. Mais hé eh mais meurs. Putain, y en a trois barres de pied de biche, enfin trois coups de pied de biche et tout, il meurt. Lui. En plus, je sais qu'il y a un connard qui va sauter par une fenêtre. Eh bah c'était pas ici. Ça va être là. Ouais, vas-y, calme-toi. Mais t'as... Bah, putain, en plus j'anticipe et le mec il me saute dessus. Ah putain, faut que je bouge ma cam. Voilà. Ouais, j'ai caché la carte depuis le début. Ouais, parce qu'au début, comme j'avais pas de carte, je n'ai pas. Cadence. J'avoue que rajouter une petite cadence, ça pourrait être pas trop mal. Il est là. Je crois que j'en oublie. Hein. Ta mère esquive quand je te dis.
Mais t'as... Faut que tu crèves ici. En plus, c'est toi qui avais les grues. Putain. Ah, rien à foutre, c'est la crève. Vas-y, reste au sol. Ah, on pourrait te dire lance-flamme. Mais ça, c'est la meilleure technique au monde. Je l'entends. J'entends arriver. Non? Ouais. Ils arrivent? Ils arrivent pas? Je vais voir, je vais prendre Moira, ils vont arriver. Ah là, t'es sûr? Vas-y, 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 dégomme ma Moira. Ah putain, elle a pas fini d'ouvrir ça? T'as du mal, Mayora, putain! Et les autres gugus, comme par hasard, ils vont s'en prendre à Mayora et pas à moi? Ah, quand même, y'en a un qui s'est pris le truc dans la gueule. Ouais, vas-y, moi, crève. Toi, connard, viens vers moi. Attends, y'en a un autre qui arrive. Quoi encore? Mais surtout, reste accroupi là-bas, toi. C'est vrai, me rejoins pas. Faut être deux pour jouer à ce jeu-là, en fait. C'est pas possible. Ah bah venez tous vers moi. Oui, excite-toi, je suis devant toi, viens. C'est bon? Oh, putain c'est... En plus quand je vais switcher avec Mera, Claire va bouger. Ah
Oui, forcément, elle bouge. Sous de ma gueule. Elle a pas réussi à ouvrir le truc. Oh, t'es venu. Ouais, encore l'autre con. Ah si, il a ouvert. Bon, tout ça pour ça, merci beaucoup. Où on est? J'ai claqué toutes mes balles de pompe pour un monstre. T'imagines le gros la massue, hein, pour un mec, toutes les balles de pompe que j'ai claquées pour lui. Fils de... Non, encore ces conneries de bracelets. Qui êtes-vous? Je veux des réponses. Sentinelle ? Vous devez rejoindre le Vosek, là où la vie commence. Qu'est-ce que vous nous voulez ? Super, vraiment super. Ah, il est là. Quoi ? Objet caché, où est-ce? Bon, tu me diras, au moins, j'ai encore toutes mes grues. Ah, parce que la grue, quand j'ai claqué sur le fusil, tous les balles de pompe sur l'auto-enculé, je devais utiliser ma grue. Mais non, non, moi il était mort derrière par des pics à la con, des tourniquets à la con avec des lames. En plus, j'avais même pas soigné Claire de l'hémorragie tout à l'heure. Peut-être que j'en avais en plus qu'elle l'a utilisé automatiquement. Oh, je sais pas. Elle a dû l'utiliser automatiquement. Envoyer un SOS. On est good, good, good. Quand même. Tu vois, un jeu d'enfant. Je te tire. Jeu d'enfant, mon cul. C'était loin d'être fastoche. Écoute, Moira, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas dans quoi je t'ai embarqué. Barry ne me pardonnera jamais. C'est pas de ta faute. Et Barry peut aller se faire foutre. Ce type n'arrête pas de se plaindre et de dire des gros mots à tout bout de champ. Finalement, tous les dessins de Kafka plutôt. Je me rappelle où ils étaient. Alors, par contre, voilà. Je crois que mes derniers bleus, j'en ai dû rater un.
Bon bah on recharge sur ça hein. Parce que le fusil à pompe je trouve qu'il recharge déjà assez vite. Hop, un petit topaz gratuit. Alors ? Non, il est HS. Reste ici. Je vais aller regarder. Moira Burton. Mes collègues et moi-même avons été kidnappés. J'ignore où on est. On a ces putains de bracelets et cette femme cinglée qui nous parle. Des sortes de monstres. Vous tuez les autres. Pitié, envoyez de l'aide. Pitié. Encore une fois, mon nom est Moira Burton. Quel est cet endroit ? Et là, pouf, tu finissais l'épisode avec un truc de ouf. Yeah, fichier secret, cool. Fichier secret 3, cool. Illustration 1, cool. 1000 pb, cool. 1000 pb, cool. Alors. Précision. Oh, ça va pour une fois. Le temps, on va faire que j'ai mis un peu de temps. Médaille. Ah putain, c'est vrai. Ah, faut switch. 5,5. Utilise aveugle. Terre, enfin, après aveuglé. 10,5 avec l'ombre de Mara. Tu es 8,5 avec des explosifs. Tu es 8,5 avec un tir à la tête. Tu es 10 en Philippe, géant. Ah putain, c'est des insectes. Tu es 3,5 avec une attaque furtive. Ah bah, c'était les 3 gratos quoi. Et tu es 8,5 avec les larmes tournoyantes. C'est ce que j'ai fait tout le long. Mais il y a des succès. Il y a combien de succès dans le jeu ? Il y a quand même pas mal. Bah, j'avais déjà débloqué quelques trucs. Ouais. La campagne n'est pas débloquée, des habilités. Yes. Habilité. Donc, augmente les attaques explosives. Réduit le temps nécessaire pour l'utilisation d'une arme verte. Ouais. Augmente la puissance du tir quand vous êtes accroupi. Pourquoi pas, mais faut que j'y pense à être accroupi. Augmente la puissance du premier tir lorsque vous changez d'arme. Ça, ça paraît bien quand tu switches le fusil à pompe d'un coup. Augmente la force d'attaque de Moira au pied de biche. Ouais. Augmente la force d'attaque de Natalia avec la brique. Mais ça, on s'en fout pour l'instant. Je vais déjà m'utiliser la brique. Réduit le temps de réaction lorsque deux. Par deux. Est-ce que vous hésitez ? Alors. Ça y a pas à chier. Attaque à couteau en courant. Ah putain, après ça, ça pourrait être bien aussi. J'avoue, Moira avec son pit biche. Ça pourrait être bien. Ah oui, c'est vrai que je peux up encore plusieurs fois les cases.
bah oui. Non mais ça me up pas moi. Ça, le changement d'armes, hop, ça pourrait être bien. Claire et Barry peuvent utiliser des armes. Contrôler. Parce qu'on va te rapporter des munitions sont infinies, mais l'attaque est plus faible. Bah ça. Oui. Lorsque la puissance de tir de votre arme augmente quand il reste moins de 10% de munitions. Ah ça. Oui. Parce que quand on va être en dèche de balles. Bon bah on va débloquer ça juste histoire de dire qu'on débloque en dessous. Augmente les effets de soins par contre ça un grand oui. Les attaques ennemies ont plus de chances d'échouer lorsque vous êtes fait une esquive. Ça carrément que oui. Bon bah autant le débloquer comme ça Claire Barry peut faire un coup à terre. Ah bah ça c'est oui. On est bon, on a mis pas mal d'améliorations quand même.